Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du PIF sur The Mortuary Assistant. Alors vous connaissez pas, ben moi non plus, c'est une découverte totale, pareil, à la Poppy Playtime hein, que j'avais déjà fait récemment. Un nouveau jeu d'horreur hein, dans ma liste de découvertes quoi, que je voulais faire. Alors pareil, c'est qu'en anglais comme Poppy Playtime, donc attention, attendez-vous à avoir de la traduction à la Munchy. Donc alors, qu'est-ce que c'est Mortuary Assistant? On va diriger tout simplement quelqu'un qui travaille dans une morgue apparemment. On va devoir faire un peu le boulot de quelqu'un qui tient la morgue, mais il y a un côté quand même flippant. C'est pour ça que, à mon avis, ça va être intéressant de me voir hurler comme une jeune donzelle en détresse. Car, pour votre plus grand plaisir, parce qu'apparemment ce genre de vidéo sur ma chaîne vous plaît. Et donc vous êtes des sacrés petits enfoirés, je vous déteste, mais d'un côté je vous aime, donc c'est une sorte de relation masochiste hein, qui se crée entre nous. Magnifique, n'est-ce pas? Donc voilà, alors, The Mortuary Assistant, alors c'est créé et c'est édité par Darkstone Digital, et c'est surtout créé par une seule personne, hein, monsieur Brian Clark, si je dis pas de conneries, il est tout seul à avoir fait ce jeu, enfin, dans la démo, hein. Tout du moins. Donc écoutez, on va voir ce que ça nous réserve. Bon, déjà, j'ai regardé dans les options. Il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut même pas gérer le son, ni rien. Il y a juste les contrôles. Le jeu est en ZQSD de base, ça c'est bien. Juste la qualité graphique, les sous-titres, etc. Là, on a même les tutoriels. Donc écoutez, on va commencer tout de suite le jeu. Donc c'est parti, je vous fais pas plus attendre. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Congratulations! Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Ok, donc c'est bon. Where are my keys? Alors, si je dois résumer, en fait, si vous voulez, on est en train de parler à notre pote. D'un coup, il y a notre patron, pas patron, entre guillemets, on n'était pas sûr d'avoir la place, de ce que j'ai compris. Il nous appelait pour nous dire qu'on avait fait du excellent boulot, hein, et du coup, on doit aller s'occuper de trois cadavres qui sont arrivés à la morgue. Il nous a dit que les clés étaient dans notre tiroir, je crois que si je dis pas de conneries. Le troisième, hein, si j'ai entendu. Non. Ok. Alors je vais laisser, ça laisse un bon côté. Bon, le jeu graphiquement déjà, c'est pas dégueu. Date and Decay. La science de la décomposition. Ok. Le téléphone. Pas regarder par la fenêtre. Non, ok. Ah, la boîte de donuts. Ah, on peut, d'accord, ok, il y a de la physique, on peut porter les trucs. On voit nos pieds, haha. Intéressant. Ça, c'est toujours un plus, hein, brave Jean. Beaucoup de jeux, même des triple A, qui le font pas, qui prennent pas la peine de le faire. Ah, les clés. Ok. There we go. Donc, tant qu'on y est, on va essayer de fouiller un petit peu, on va prendre notre temps, écoutez, hein. Apparemment, c'est pas très long, hein. C'est une démo, après vous me direz. Ok. À quoi au frigo? D'accord. De la bouffe. La bouffe dégueulasse. Du lait. On peut pas voir le compartiment à congélo. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, tab inventory. Alors, oui, on a les clés.
D'accord, je peux mettre les clés dans ma main aussi. Je peux virer les objets aussi, d'accord. Bon, je sais pas si on peut les mettre ça. Non, ça c'est un objet de clé, je pense. Ok. Bon, je suppose qu'on est arrivé à la morgue du coup. Avant d'entrer, j'ai peut-être essayé de faire le tour. Bon, il y a une touche pour sprinter. Enfin, sprinter, c'est un gros mot, hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Oh, c'est une texture qui dépasse. Oh là là. Ouais, d'accord, il y a encore du boulot, hein. Après, c'est qu'en démo. J'ai une flashlight? Non, j'ai pas de flashlight. Ah, c'est vrai que là, putain, vous devez devoir dalle queue, là, hein. Ouais, écoutez, on va revenir. D'accord, il y a un mort là. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps dans le noir, on voit que dalle. Je fais le tour et puis je vais rentrer dans le bâtiment, hein. C'est fermé ici. Allez, en plus il pleut, on va se mettre à l'abri. Et tu refermes pas, j'allais dire, ouais. Pas déconner. D'accord, il y a de la physique partout. Non, je veux remettre cette cafetière en place, s'il te plaît. À clic droit, on a notre inventaire. D'accord, space, c'est pour un clipboard, apparemment. Ok. Il y a une croix. Et toilette! C'est les plombs apparemment. On va éviter d'être dans le noir quand même, hein. Oula. Ouais. Bon. Calculatrice, ouais. Le clipboard, ouais, je l'ai. Clipboard sous forme. D'accord, les tâches de la mortuaire, d'accord, c'est mon truc de tâche, quoi. Body to cold stuff. On envoyait un corps dans la zone froide. Ok. Tout le reste est fait apparemment. Je vais quand même fouiller tout. Ah, une clé. La salle d'embaumement. Embalming, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ouais, clic droit pour avoir le clipboard embalming home key. Ok. Des fusibles. J'ai eu un fusible. Attendez. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis sûr qu'il y a une coupure de courant qui va se faire. Bon, l'avantage, c'est que je sais où sont les fusibles. Ouais, une boîte d'allumettes. Le pire, c'est que ça pourra sûrement être utile, quoi. Ah, je les ai ramassés, hein. Pour ramasser avec eux, en fait. J'ai peut-être pas ramassé ici, du coup. Ouais, on va ramasser tous les fusibles, vous savez quoi? J'avais pas vu que c'était eux pour ramasser, en fait. Non, je le sais. Oh, ça va tellement être l'enfer. Ok, on peut pas péter les vases. Je laisse des trucs, hein, les amis. Hein. C'est une démo, on est là pour ça. Ok. Alors, Riverfield Mortuary, Riverfield Mortuary, Embalming Report, d'accord. Le tonnerre, quoi. Alors, Rebecca, merci d'être venue. Voilà une petite note. Le corps est dans la salle d'embaumement, d'accord. Merci de le mettre dans la salle froide et de faire le suivant. J'ai laissé les clés dans la salle d'embaumement, justement, dans le tiroir au fond du bureau, d'accord. Raymond, n'oublie pas ton clipboard. Ouais, je l'ai. Ah ok, fallait utiliser. Ça s'utilise avec le clic droit. Si je vais utiliser la matchbox. Ah ok, d'accord. Il y a une ambiance, hein, il y a un truc. Ok.
Ah, j'ai la clé. Hotkey, d'accord, ok. C'est sûrement la clé dont il m'a parlé, machin. J'ai, du coup. Il y a un PC, je peux aller dessus apparemment. Il y a une armoire là, je peux pas l'ouvrir. Ça s'ouvre, ok. C'est quoi ce délire? Une petite note, Rebecca, tu es su. Je suis pas censé trouver. C'est si tu as pas trouvé ma clé. Ah, d'accord, c'est un petit tease pour dire ça arrivera dans le printemps 2022. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas faire ça. Peut-être peut-être ce printemps. Voilà, d'accord, ok, bah très bien, ça marche. Donc, il y aura un délire à faire ça au printemps. D'accord, ok, très bien, y a pas de soucis. Pas mal qu'il ait mis ça comme ça, le mec, c'est sympa. Ok, bah du coup, on va refermer ça. J'ai besoin. Allez, hop. Très bien, alors. Oula. Hunter cadavre information, d'accord. On peut entrer les informations du cadavre. Clique sur le record système, nanana. Ok. Oula. J'ai pas. D'accord, faut. Ah, faut vraiment taper et tout, quoi. Ok, d'accord. C'est passé quoi là? J'ai fait un bond. C'est ça? Ah, faut que je l'amène dans la chambre froide, lui. Par contre, putain, comment on fait quoi? Pour ramasser des trucs apparemment, mais bon. Ouais, ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Putain, j'ai flippé quoi. Pour tirer les moisissures, etc. D'accord, attends, et là on va devoir vraiment faire le taf de morture quoi. Pas mal, ici on a la poubelle. Il y a tout qui s'est ouvert quoi. Un scalpel, j'en ai pris un. Un trocar pour atteindre les organes, ok. Une seringue, un injecteur. Ok, bon. Alors, par contre, j'aimerais bien tirer le corps, on va devoir aller voir là-bas peut-être. La chambre froide ici, on est d'accord. Hein. Un sac en plastique pour emballer les corps, d'accord. Je vais devoir en prendre un pour emballer le corps de machin, je pense. Ça c'est le crématorium, ok. Ça c'est la porte pour aller dehors, je pense, d'accord. C'est la porte de derrière que je vais essayer d'ouvrir tout à l'heure. Timothy Sharp, Cheryl Costa. Ouais, ok, d'accord, ok. Alors mon con, on va devoir t'emballer toi, hein. Ah c'est pour, d'accord, mais je l'emballe pas en fait. Attendez. I can't use that here. Ok. On va cesser pour prendre le truc du coup et. Bon, je vais devoir tirer en arrière, ok, ça marche. C'est ouvert derrière moi. Oh putain, la vache, il s'appelle comment lui? D'accord. Inspect body for identifying mark. Ouais, mais je sais pas comment il s'appelle lui en fait. J'ai pas son nom quoi. Bon, c'est un homme. On va dire qu'il s'appelle Timothy. Allez, jugé vendu. Attendez. Allez. D'accord, ça se fait tout seul, ok. Je pige un peu le gameplay, hein, les amis. Hein, Ouais, ça faut que je le retire, du coup.
Voilà. Et là, tu rentres, hein, c'est ça? Ok. Ok. Et toi, faut que je te prenne, c'est ça? Ouais. Ok. Très bien, ça commence vraiment en fanfare, quoi. Allez. Je vais devoir te faire quelques trucs avec toi. Ok, c'est bien. Bon, du coup, on va laisser le truc ouvert, hein. C'est bon. Pas besoin de l'enfermer, on la remettra de façon après. Il y a du bruit. All right, let's check you out. Donc. Alors, Cheryl Costa, 91 ans. Je vais devoir record any distinguishing marks, d'accord, en terre, d'accord. Faut que je marque les trucs dans son... dans le PC. Alors, Cheryl Costa, 91 ans. Bon, c'est indiqué de toute façon. D'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord, ok, j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait taper à la mano, les gars. Ok. Je vais d'abord devoir faire quelques examens, moi. Ah, ça note automatiquement? D'accord. Tac. C'est quand même sympa, hein. Y'a rien sur ses jambes intéressant, non? Pas d'ecchymose, que dalle. Oh, c'est pas... On ferme cette fenêtre tout de suite. Et y'a des marques, hein, quand même. Y'a des petits bruits horribles, hein, qui font flipper. Un peu en taille, toi, j'avais pas vu ça. Des griffes sur la main, ok. Peut-être faire l'autre du coup. Non, y'a rien là. Y'a des marques là sur. La joue. Marque derrière là. Voilà. Tac. Et au niveau de la tête, ouais. Rotate, ouais. On la joue ici, mais ça j'ai déjà mis, je crois. Voilà, center of head. J'ai eu peur que ça me saute à la gueule là, au niveau du visage, là. J'ai vraiment flippé. Ok. Bon. Attends, faut que je rentre les trucs dans le rapport dans le... D'accord. Cheryl Costa. Alors, l'arme... Le... Right arm. Il y a une contusion. Ok. La tête, il y a une contusion. L'épaule droite, il y a une contusion. La left leg, il y a une contusion également. Il n'y a que des contusions partout. Left shoulder, il n'y a que dalle. Il y a une little ablation à left arm, ok. Et la right leg, il n'y a rien. On submit. Ça s'imprime. Ok. On ramasse. Alors, on va lui me reporter. J'ai besoin d'une copie up front. J'ai besoin d'une copie. Je peux hold anything else. Ah, je peux rien porter d'autre. Hold anything else. Ah merde, c'est chiant ça. Alors que je vire un truc dans mon inventaire du coup. Ouais. On va devoir virer un fusil peut-être. Je vois pas. On sait qu'il est là, hein. Can't hold anything else. Ma gueule. Ah ouais, ok, j'ai compris. On va le drop ça, hein. Du coup, écoute, on va ramasser le fusible que j'ai lâché, hein.
Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Le paquet d'aventure et pas porte. J'ai cru voir un endroit où est-ce qu'on pouvait les ranger ces trucs-là. Le vase, je l'avais pas remis sur la table. Bon, soit, ok. Hein? Pourquoi je l'ai pu? Pourquoi je l'ai pu? Je l'ai pas pris? Putain, l'accord, mais quelle connasse. Ramasse-moi ça. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi ça fait un bruit dégueulasse là? Faut que je le range là? Time to embalm. Voilà. Fallait bien le mettre ici. Maintenant. Mix embalming fluid in pump. D'accord, il faut que je mette des trucs dans la pompe. Bon. Ouais, je pense qu'on a besoin de ce truc là. Parce que c'est ça la pompe. Alors. J'ai du Fordy mes couilles là. Voilà. Est-ce que ça compte? Ok. Donc il faut de l'humectant. Tube builder, c'est pas ça que je veux. Teaching agent, c'est pas ça que je veux. Va falloir que je cherche là. Hein. Tank cleaner. Je peux pas de tank cleaner, j'ai pris ça pour les couilles du pape là. On va dropper ça. Humectant, ça il en faut. Ok, donc ça, humectant. Il faut mettre du méthanol. On va chercher, on va trouver. Méthanol G, ok. Voilà, et il reste du glutaraldéhyde. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est ça, ok. J'ai une baisse de FPS de fou là, attendez. Bon, je sais pas si vous voyez la baisse de FPS par contre d'un coup, mais c'est pas normal, hein. Elle me fait signe d'aller... Elle fait signe d'aller là-bas? Bon, je peux pas mettre en tout cas, donc écoute, on va aller là-bas. Par contre, ça me fait chier que ça rame un peu là, attendez. Non, bah d'accord, ok, je fais des tests, mais ouais, quoi que je fasse, ça reste, ça rame, donc écoute, on va aller voir. Maman, j'ai peur. Une croix, ok. Who has left you? I am here. Il y a des frissons là, hein. Putain! On sait pas ce que ça me fonce sur la gueule. Par contre, les gars, les chutes de FPS, faudra peut-être bosser sur ça, quoi. Putain! Merde, match box. I can't use that here.
suis enfermé. Ah là, ça va pas le faire, hein. Clash of Fire Affiché, d'accord, d'accord, ouais, ouais. Oh non. Et demain. Quoi? Ah bah oui, hein. Évidemment, je vais voir, mais je me fais baiser, j'ai pas le choix. Putain, c'est quoi ce délire? Ça part en couille, quoi. Je vous hais. Please, ne faites pas ça. Wouah, c'est chelou. Miss Owens. What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. Ça, c'est quand j'étais jeune, quoi. Apparemment, on a des bribes de souvenirs. I miss you so much. I don't care about anything. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. Je t'aime. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Okay. I'm sorry. You killed him. No. C'était moi ça, hein. On va souffler un peu, hein. On n'est pas très net, hein. Cor est toujours là. What the fuck? Je pense vraiment que j'ai envie d'aller voir là-bas? I can't use that. Putain de merde. Je vais devoir la pousser dans le noir, mais je vais me faire baiser la gueule, hein. Bon, tant pis. Mec, une incision, ce carotide d'artérie, d'accord. Je vais faire une incision. Au niveau de. La carotide. Incision, une carotide d'artérie, une jugulaire. I can't use that here. I'm missing something. Y a un truc que j'ai pas là. I'm missing something. I can't use that here. Alors, le fait qu'il y ait ça aussi, ça rend fou. Ah putain, il y avait quelqu'un à la fenêtre. Non mais sérieux quoi. Non mais au secours, ça s'est rallumé. I'm missing something. De toute façon, là, il y a un truc que j'ai pas, hein. I can't use that here. I'm missing something. Avec une incision, une carotide artérie, and jugular vein with scalpel and forceps. J'ai pas les forceps, ça. Ah, ah, ah voilà, c'est bon, quand on lit mieux, connard. Ok. Clamp tubing de boss vein and connect on balim pump. Ok, d'accord, faut connecter.
That's not it. Connecter tout ça. Clamp tubing to both vein and connect to tumbling. Ouais, faut mettre un tuyau, je pense. Attendez. That's not it. Non, je pensais que ça allait être ça. Bon, très bien. I can't hold anything else. I can't use that here. Je pense qu'on va devoir lâcher des trucs, hein, parce que là, c'est pas possible. Ouais. Non, non, c'est pas ça que je veux faire, voilà. Dire que je peux pas m'en servir alors que j'ai bien rempli le truc depuis tout à l'heure et qu'on s'en sert pas en fait, quoi. C'est tout ça que je suis en train de me dire, là. En soit, hein. C'est pas ça que je veux faire. Une solution pour cleaning tank en balling machine, ouais, d'accord. Je suppose que c'est pas ça en fait, hein. I can't use that here. That's not it. C'est pas ça. Putain, mais elle est encore là, elle. Mais putain, j'en ai marre. Sans déconner quoi, arrête. Elle nous stocke depuis tout à l'heure là, ça casse les couilles. Oh merde, putain, je te jure. Ah, les frissons quoi. Bon. Alors, faut que je trouve comment on fait là, parce que du coup là, c'est... j'ai une incompréhension là. Un truc que je n'ai pas. That's not it. That's not it. That's not it. That's not it. Faut que je mette un putain de tube, mais... Faut pas les tubes. Ça, je regarde mal. Bah ça, ça c'est tous les trucs. Ça je peux pas le prendre de toute manière. Ah bah voilà putain, non, bah, à chaque fois c'est parce que je trouve pas le bon objet en fait les amis. Hein, parce que je suis un gros con. Voilà, donc drop, c'est bon, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, ça va aller, ça va aller. Allez hop. Hein. Voilà, c'est bon, c'est relié, du coup. Maintenant, on va engager le pompe. Maintenant, on va laisser le corps se vider de ses fluides. En fait un boucan. Ça va être bon. Ok, remove tubes. Et... On va retirer les tubes et on va retirer l'incision. Ok. Voilà. Ça, elle fait ça propre, hein. Ok, j'en ai un de TV réservoir, je l'ai lâché ici. I'm missing something. I can't use that here. Il manque quelque chose. Attendez. I'm missing something. Scalpel. I can't use that here. I can't use that here. Peut-être mal lu. Full and empty. Ah, dans le cavity fluide. Ok, d'accord. Ah, ouais, merde.
c'est bon, j'ai compris. Ici, ouais, c'est bon. C'est bon. D'accord, et on utilise le trocard et... J'ai trouvé le bon endroit, c'est ça? Ça va prendre 10 ans? C'est super long. Ok, d'accord. Là, on est en train de remplir le corps avec un fluide d'embaumement, je crois, là, hein, d'après ce que j'ai pigé, là. On fout de partout. Putain de merde, c'est long. On fout de partout, c'est ultra long. Putain, il me manque un endroit, fait chier. Ah ah, évidemment. Ici, apparemment. Allez, faites que ce soit le dernier, là. Non! Putain, fait chier. Ah, ici. C'est bon, après? There we go. Ok. Pour pump cleaner into the embalming pump to clean it. Pump cleaner. Je crois que j'en ai vu là. Attends. Ouais. Du pump cleaner. Il me semble que j'en avais vu quelque part. Oui, c'est le truc rouge là. Oui, c'est bon. Mais il est où? Là, voilà, c'est bon. C'est bon. On nettoie la pompe. Et bah, quelle aventure! Il n'y en a plus qu'à envoyer le corps dans la chambre froide. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. Et là, je crains le pire. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. Satan? I am here. Not even one sigil. C'est par la droite, là. Can my name be so far from reach? I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Ah, derrière moi, ok. Look at this. Pitiful flesh I am service to. But this body is no longer mine. I have my prize. Notre meuf a un sérieux problème pour voir ça, hein. Jeu de merde. Ok, bon, je suppose que c'est la fin de la démo. Je pense, ok. Donc ça arrive en printemps 2022. Ok, bah c'est sympa, hein. Je pense qu'on va emballer pas mal de cordes en printemps 2022. Bon, petite démo sympathique, hein, c'était cool. Ça fait bien flipper. Beaucoup de jumpscares, peut-être trop à mon goût même. Parce que je les répète, par exemple, dans mes vidéos de Tormented Souls, c'est pas les jumpscares qui font un bon jeu d'horreur. Mais fait dès que là, il y a une ambiance, le concept est sympa, j'aime bien. De toute façon, je suis fan de tout ce qui est métier simulator, j'aime beaucoup, hein. Et là, le fait qu'on soit qu'on travaille dans une morgue et qu'il y a un côté flippant, je trouve ça très cool. Ok.
Donc super. Eh ben écoutez, voilà, bah... découvert plutôt sympathique, donc je... celui-là, je vais le mettre dans ma wishlist, on verra par la suite ce que ça donne, bien évidemment. J'espère que le jeu sera traduit en français, parce que c'est vrai que... c'est vrai, parce que moi, que j'ai pas mal mongolisé sur certains trucs, certaines compréhensions. Mais c'était notamment dû au fait que j'ai pas trouvé les bons objets tout de suite, bah, ça tombe, même en français, j'aurais pas compris, quoi. Donc voilà. Donc, non, c'était plutôt cool, hein, vraiment. Découvert plutôt sympathique, un peu comme Poppytam, je suis plutôt content, je reste sur une bonne fin. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Et bah écoutez, je vous fais des bisous, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous a plu, à cliquer sur la cloche pour notification, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, allez! Je vous fais des bisous, à la prochaine, des bisous, ciao, portez-vous bien!